Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour Aurélie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce mercredi. On va attendre que les gens se connectent un petit à petit comme d'habitude. Voilà. Ravie de vous retrouver ce mercredi pour ce nouveau flow Vinyasa. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, donc ça fait depuis le début du confinement qu'avec Benoît on vous propose ce cours de yoga Vinyasa. Donc voilà, un yoga plutôt dynamique. Et cette semaine, vous allez avoir besoin pour pratiquer aujourd'hui, d'une sangle. Vous voyez, ça c'est une ceinture de judo. Donc soit une sangle, ceinture de judo, ou si vous n'avez pas de sangle, une ceinture de judo, une ceinture classique, voire même peut-être une serviette. Ça peut tout à fait fonctionner. Et comme d'habitude, si vous avez une brique, alors il y en a qui sont plus épaisses, si vous êtes équipé en yoga, ou un livre ou quelque chose, ou une chaise, si vous n'avez pas trop d'équilibre, ou si vous êtes assez raide des ischios, vous pouvez utiliser une chaise. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Emma, Marilyn, ravie de vous retrouver, super. Voilà, donc pour cette semaine, vous allez voir, on va prendre notre temps aujourd'hui pour la pratique, même si on reste sur du vinyasa, donc une pratique dynamique qui allie un mouvement avec la respiration, mais cette semaine, on va travailler plus en profondeur certaines postures, puisque je souhaite faire un focus sur la posture de la sirène dans un deuxième temps dans la séance. Et vous allez voir, cette posture, elle nécessite de préparer le corps. Elle nécessite d'assouplir les membres inférieurs. Elle nécessite d'ouvrir les hanches. Et enfin, elle nécessite de travailler la mobilité du dos. Donc avant de réaliser cette posture dans un deuxième temps, le premier flow va vraiment être destiné à nous préparer à la réalisation de la posture. Voilà. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin de la sangle et de la brique. Ok, tout le monde est arrivé, donc on va débuter notre pratique. Je vous invite à venir vous placer en tailleur ou dans une position qui pour vous est confortable. Donc ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, talons sur les fessiers, ou pourquoi pas jambes tendues. N'hésitez pas à prendre un coussin, une couverture et à vous installer confortablement sur le coussin. Okay? Je vais juste augmenter un tout petit peu le son de la musique. Si jamais c'était trop fort, vous nous passez un petit message pour qu'on puisse baisser le son. Ok, on est parti ensemble. Les paumes de main épousent la forme de vos genoux ou si vous préférez, vous pouvez prendre un premier mudra. Pouce index qui tout simplement favorise la concentration. Et on est parti, on va tous se connecter en inspirant et en expirant. Voilà, chacun à son tour, on va rejoindre le groupe, même si on n'est pas ensemble, qu'on fait ça via les écrans, c'est pas grave. On va essayer de se connecter vraiment les uns aux autres et de faire comme si on était tous ensemble dans la même salle de pratique. Concentrez-vous sur votre respiration et concentrez-vous sur le moment présent aujourd'hui, mercredi, 11h, pendant une heure, on va prendre le temps pour soi. Inspirez, soufflez, les paupières sont closes et si certains d'entre vous veulent déjà activer la respiration Ujjayi, vous pouvez commencer. Si vous ne connaissez pas la respiration Ujjayi, c'est pas grave, on va la faire ensemble. Vous inspirez par le nez et vous expirez également par le nez, comme si vous souhaitiez faire de la buée contre une vitre, mais en gardant la bouche fermée. Donc ça fait un petit bruit, un raclement au fond de la gorge. On y va ensemble, inspirez. Et encore. Et pendant qu'on inspire et qu'on expire, on essaye de vraiment faire le vide. Si on a des pensées qui arrivent comme ça, on n'y prête pas attention. On les laisse repartir aussitôt.
Et si vous souhaitez dédier votre pratique d'aujourd'hui, vous pouvez porter une intention, soit à une personne, soit à un projet, à quelque chose qui vous est cher. Prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, expirer et venez incliner sur le côté. J'inspire, on expire, venez incliner de l'autre côté. On vient réveiller votre dos petit à petit. Soit vous gardez les paupières closes, soit vous décidez d'ouvrir les yeux. Les deux fessiers sont ancrés dans le sol et on laisse basculer son corps d'un côté puis de l'autre. Inspirez, expirez, on reste sur le même côté. Et ensuite, la main qui est vers le ciel va venir toucher le sol, on glisse sur le sol et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et même chose, je glisse la main au sol et je change de côté. Ici, je garde l'ouverture au niveau du buste, l'ouverture de cœur. Le bout des doigts va chercher le plafond, la paume de main s'ancre dans le sol. Et encore une fois, je glisse. Le regard soit est dirigé vers le plafond, soit vers le sol si vous sentez que vous avez des problèmes au niveau des cervicales. Très bien, ensuite on relâche. Pour la suite, on va venir chercher la posture de la table en quadrupédie, genoux sous les hanches, poignets sous vos épaules. Très bien. Depuis cette posture de la table, on va venir chercher la posture puppy pose qui va nous servir à ouvrir vos épaules. Vous verrez, on en aura besoin pour la suite. Vous avancez les bras, les genoux ne bougent pas. Et là, votre buste vient chercher le sol. Vous avez juste à déposer le front au sol. Les fessiers sont surélevés, pas besoin d'accentuer la cambrure, cambrure naturelle. Et restez dans cette posture, inspirez et expirez dans cette posture et venez sentir l'ouverture de vos épaules. Ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'ouverture des épaules, au lieu de déposer le front sur le tapis, vous pouvez venir déposer votre menton. Au début, c'est un peu bizarre, c'est la première fois que vous le faites, mais vous venez poser votre menton au sol. Encore une inspiration, expiration, et ensuite on se redresse et on vient chercher à nouveau la posture de la table. Très bien, inspirez, le regard va chercher le plafond, le dos se cambre légèrement, expirez, cette fois-ci arrondissez le dos. Le regard vient chercher votre nombril, le dos s'arrondit. Inspirez, le dos se creuse. Expirez, le dos s'arrondit. Et encore, inspirez, regard vers le plafond. Expirez, pressez le sol avec les deux paumes de main. On est à nouveau sur la colonne vertébrale. Inspirez, expirez par le nez. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et cette fois-ci, on garde le dos arrondi pour deux inspirations, expirations. N'hésitez pas à exagérer ce mouvement. Sentez l'arrondi au niveau du dos. Et ensuite, revenez dans une posture de la table. On va crocheter les orteils. On va prendre une grande inspiration et on va chercher notre premier chien tête en bas. Expirez, montez les fessiers vers le plafond. N'hésitez pas à fléchir les jambes si besoin pour obtenir l'allongement du dos. Donc, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude et qui nous rejoindraient aujourd'hui, si vous êtes comme ceci et que vous avez le haut du dos arrondi, je vous conseille de fléchir les jambes tout en poussant vos fessiers vers le plafond. Et en pressant avec les paumes de main dans le sol. Relâchez la nuque. Très bien. Ensuite, on repose les genoux au sol. On est à nouveau dans la posture de la table. Inspirez, décollez la paume de main droite. Expirez, glissez le bras droit sous le bras gauche. L'épaule se rapproche du sol. Peut-être qu'elle touche le sol, peut-être qu'elle ne touche pas, peu importe. Et encore, même côté. Inspirez, décollez le bras.
Expirez, glissez le bras. Et dernière fois, inspirez. Expirez par le nez, glissez. Et on revient dans la posture de la table. Avant de faire l'autre côté, on va échauffer nos poignets. Pour ça, on va placer le bout des doigts vers nos genoux, en direction des genoux. On commence par une main. Et ensuite, la deuxième. Voilà, au fur et à mesure, tout doucement, hein, suivant la sensibilité au niveau des poignets de chacun, on y va tranquillement. Un côté, puis l'autre. Inspirez et soufflez. Gardez vraiment la respiration. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire les deux mains en même temps. Je commence main droite, bout des doigts vers mes genoux, puis main gauche. Soit je reste là parce que déjà je sens bien que ça tire. Et si je peux, je vais peut-être ramener un peu les fessiers vers l'arrière du tapis pour que ça tire un peu plus au niveau du poignet. Vous y allez tranquillement, vous écoutez ce que dit votre corps. Ensuite, on revient dans la posture de la table. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va chercher vers le ciel. Expirez, le bras passe sous le bras droit. Et encore, inspirez, bras gauche. Expirez, bras gauche, viens chercher sous le bras droit. Et encore deux fois, inspirez. Et expirez. Dernière fois. Puis revenez dans la posture de la table. Deuxième chien tête en bas, retroussez les orteils, inspirez. Soufflez, montez. Et cette fois-ci, on va marcher dans ce chien tête en bas. Donc on fléchit une jambe, puis l'autre, et ainsi de suite. Voilà, vous continuez. On vient assouplir l'arrière des cuisses, puisqu'on en aura besoin pour la suite, tranquillement. Pour éviter qu'il y ait trop de pression sur les poignets, votre sonde abdominale est engagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre nombril est rentré, il est aspiré, comme si vous aviez un jean ou une ceinture trop serrée. Très bien. Ensuite, depuis la posture du chien tête en bas, vous allez marcher et rejoindre l'avant du tapis dans la posture du dos plat. Vous avez donc, pour commencer, les mains au niveau des tibias, le regard dirigé vers l'avant de votre tapis. Et on reste là pour deux inspirations et expirations. Sentez l'allongement du dos. C'est comme si votre poitrine était aimantée par le sol. On n'accentue pas la lordose, mais la poitrine est aimantée. Donc, je ne suis pas recroquevillée, non. Je pousse ma poitrine vers le sol. Très bien. Maintenant, inspirez. Les deux bras partent sur le côté. Montez le bout des doigts vers le plafond. Expirez. Main en prière au niveau du cœur. Puis fermez les yeux et restez là. Inspirez, expirez, retrouvez la respiration Ujjayi. Testez-la peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas. Et venez chercher vos fondations et votre ancrage au niveau de vos plantes de pied. D'accord ? On va essayer de garder ça aussi pendant toute la séance. Donc je suis concentrée, j'ai les deux plantes de pied au sol, les deux miens collés au sol. Et on inspire et on expire. Ensuite, inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond. Expirez, flexion avant, posture de la pince. Je descends le bout des doigts au sol. Si j'ai des problèmes de dos, si ça tire trop derrière les cuisses, vous voyez, j'ai les jambes fléchies. Ceux qui ont l'habitude, peut-être que vous avez les jambes tendues, hein, à vous de voir. Ensuite, inspirez dos plat, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Et expirez, on va venir chercher notre première planche. Pour ça, jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière du tapis. Puis venez poser les genoux au sol. Dos des pieds au sol. Puis inspirez, nombril, poitrine, menton au sol. Je fléchis les coudes, chaturanga. Et enfin, je glisse dans mon premier cobra. J'ai les bras fléchis. Paume de main de chaque côté du buste, dos des pieds, tonique, pousse le sol, cuisse, pousse le sol, pubis, pousse le sol. Puis inspirez, chien tête en bas, je redresse, je pars, le mouvement part au niveau des hanches, montez les fessiers vers le plafond, relâchez la nuque et si besoin, fléchissez les jambes pour venir chercher l'allongement du dos.
énormément de bien pour votre dos ce mouvement. Puis on va marcher à l'avant du tapis et se retrouver à nouveau dans la posture du dos plat. Ensuite, bout des doigts vers le sol, fléchissez les genoux si besoin. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, mains en prière au niveau de la poitrine. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, flexion avant, je plonge vers l'avant. J'essaie de réduire au maximum l'espace entre mes cuisses et mon nombril. Si besoin, je fléchis les jambes. Puis, dos plat. Expirez, planche. Jambe gauche, puis jambe droite. Genou au sol. Chaturanga, poitrine, menton au sol. Les fessiers sont surélevés. Glissez dans votre deuxième cobra. Puis, inspirez. Chien tête en bas. Sentez le mouvement des hanches qui se propulsent vers le ciel. Prenez les options qui vous conviennent. Relâchez bien la nuque. Et enfin, marchez à l'avant du tapis pour retrouver la posture du dos plat. Puis, flexion avant, posture de la pince, main au sol. Et enfin, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière. On va faire ça une deuxième fois de chaque côté de manière un peu plus fluide. Et en même temps, je rajoute des petites options, des variantes, pour ceux qui le souhaitent. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, posture de la pince. Inspirez, dos plat. Expirez, jambe droite, puis jambe gauche au sol. Pour Chaturanga, soit vous posez les genoux, si vous voulez essayer sans les genoux, je fléchis les coudes, je descends. Et ensuite, je remonte soit en cobra, soit en chien tête en haut, pour ceux qui le souhaitent. Chien tête en haut, les cuisses ne touchent pas le sol. J'ai les bras tendus, j'enroule mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Puis inspirez, chien tête en bas. Restez là pour deux inspirations, expirations. Et quand vous aurez terminé vos deux inspirations, expirations, au choix, soit vous marchez, soit, je vais prendre l'option pour montrer, vous pouvez fléchir les jambes, regarder vers l'avenir, à l'avant du tapis, puis engager la sangle abdominale, petit saut, et on atterrit tous en dos plat. Puis inspirez, flexion avant, expirez, et enfin inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond, expirez, main en prière au niveau du cœur. Dernière fois ensemble. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, pince. Inspirez, dos plat. Expirez, planche et chaturanga. Jambe gauche, soit genou au sol, soit genou décollé. Puis, soit cobra, soit chien tête en haut. Et enfin, chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, vous ne pouvez plus voir vos talons. Hein, les deux pieds sont bien parallèles. Les talons sont cachés. Et enfin, soit vous sautez, soit vous marchez pour rejoindre l'avant du tapis. Si vous sautez, regardez vers l'avenir, engagez la sangle abdominale, hop, et on atterrit en dos plat. Puis flexion avant, bout des doigts vers le plafond, et enfin expirez, main en prière au niveau du cœur. Restez là, soit vous avez les yeux ouverts, soit vous avez les yeux fermés. Deux inspirations, expirations, et ensuite on partira ensemble pour notre premier flow. Et on est parti. Inspirez. Bout des doigts vers le plafond. Expirez. Le pied droit va chercher vers l'arrière les fondations du guerrier 2. Donc pied droit vers l'arrière, pied gauche à l'avant du tapis. Souvenez-vous, pour le guerrier 2, les deux talons sont sur la même ligne. Je fléchis la jambe avant, la jambe arrière est tendue, paume de main parallèle au sol, et j'ai autant
d'engagement dans la jambe arrière que dans la jambe avant, d'accord? On est très tonique sur les deux jambes et vous pressez bien au niveau du pied droit qui est vers l'arrière le bord externe. Hein, on ne décolle pas le bord externe, non, au contraire, il est ancré dans le sol. Très bien. Et ensuite, toute l'attention est portée sur la main qui est vers l'avant, donc la main gauche si vous êtes du même côté que moi. Prenez le temps dans ce guerrier 2. Deux inspirations, expirations. Sentez les fondations au bout des hanches, des jambes, pardon. Les hanches sont face à l'écran ou face au mur. Puis, inspirez sans changer les fondations du guerrier 2. Expirez, venez renverser le guerrier avec une inclinaison de la colonne. Je vous l'ai dit, dans la posture de la sirène, on va avoir besoin d'avoir un dos souple et mobile. Donc du coup, on travaille les inclinaisons. Ensuite, inspirez, revenez en guerrier 2. Expirez, trikonasana, le triangle. Je tends la jambe avant, je déhanche vers l'arrière du tapis. Translation, je vais chercher l'avant du tapis avec la main gauche. Et enfin, inclinaison, paume de main au niveau du tibia. Le bras va chercher, le bout des doigts va chercher le plafond. Soit le regard est vers le sol, si on a les cervicales fragiles, ou alors le regard vers le plafond. Et à nouveau, restez dans cette posture du triangle pour deux inspirations et expirations profondes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on prend le temps. Et depuis la posture du triangle, on va venir poser les deux mains au sol et on va chercher notre fente basse à l'avant du tapis. Déposez le genou droit au sol, déposez le dos du pied droit au sol et placez les deux paumes de main juste à côté de votre pied gauche. On reste dans cette posture qui va nous servir à ouvrir les hanches. On en aura besoin aussi pour la sirène. Donc là, on est dans la posture du lézard. Les deux bras sont tendus. Si besoin, on utilise la brique. On place la brique sous les deux paumes de main, si c'est encore un peu juste. Et on laisse la pesanteur faire son travail. Le bassin part vers le sol et vers l'avant. Si vous voulez ouvrir plus, glissez le genou arrière vers l'arrière du tapis. Très bien. Ensuite, avec votre main gauche, vous allez venir attraper votre cheville droite. Oui, c'est ça. Donc, main gauche, cheville droite. Si j'arrive pas à l'attraper, vous avez tout à fait le droit de partir vers l'arrière. Hein, vous emmenez vos fessiers vers l'arrière. Soit vous attrapez l'arrière du pantalon, soit vous attrapez la cheville. Et une fois que c'est fait, vous revenez vers l'avant dans l'ouverture des hanches. Okay? Et vous regardez du côté gauche. Torsion, côté gauche. Le regard va chercher derrière votre épaule. Là, on est dans un étirement du quadriceps. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper la cheville, ce n'est pas grave. Vous restez juste avec la jambe surélevée. Hein, et on sent déjà l'étirement du quadriceps. Vous rentrez également dans la torsion et vous restez là. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, on repose la jambe. Les deux paumes de main à nouveau à l'avant. Le genou gauche va venir chercher à l'arrière du tapis. Le genou droit passe devant. Genou gauche, jambe gauche allongée sur le tapis, genou droit à l'avant du tapis. Et ensuite, inspirez et sur l'expiration, venez placer le poids du corps sur le genou avant. On prépare les fondations de notre sirène. Si vous voulez relâcher la nuque, vous pouvez la déposer sur le tapis ou pourquoi pas sur une brique ou un livre. Hein. Vous choisissez le côté qui vous convient et on reste là. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, à l'aide des paumes de main, on va se redresser. Cette fois-ci, je bascule les fessiers du côté droit. Mon tibia droit va chercher le bord supérieur de mon tapis. Il va être parallèle à mon tapis. D'accord ? Ma cuisse gauche va être parallèle à mon mollet droit. Vous voyez, je forme un angle de 90 degrés. Tibia,
parallèle au bord supérieur de mon tapis, cuisse arrière parallèle à mon mollet. Et ensuite, inspirez, et sur l'expiration, à nouveau, je viens déposer le poids de corps sur le genou droit. Donc si je me décale face à vous, ça donne ceci. 90, 90, poids du corps vers l'avant. Étirement du fessier. Très bien. Ensuite, inspirez, relevez-vous. Et là, sur l'expiration, vous allez ouvrir. Moi, je vous montre juste. Et après, je me remets dans l'autre sens, sinon vous ne me verrez plus. Hop ! On ouvre les deux jambes de chaque côté. D'accord ? Comme si on voulait être en grand écart. Voilà. Donc, moi, je me mets face à vous. Ce sera quand même plus sympa. Donc, les deux jambes sont ouvertes de chaque côté. Ensuite, vous allez inspirer, bout des doigts vers le plafond. Expirez, venez chercher avec le bout des doigts votre tibia droit. Je viens poser les paumes de main sur le tibia. On laisse l'ouverture des hanches se faire, l'étirement des adducteurs et également l'étirement du bas du dos. Ensuite, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, venez chercher de l'autre côté. Et ça, vous le faites plusieurs fois, de manière dynamique. Vous inspirez, vous expirez. Et à chaque fois, vous essayez d'aller un peu plus loin. Si vous sentez que vous êtes très très raide au niveau des adducteurs, au niveau du dos, vous savez, je vous avais demandé de récupérer une serviette ou une sangle, et bien c'est maintenant qu'on va l'utiliser. Vous inspirez, vous expirez, vous venez placer soit la serviette, vous transformez la serviette en sangle, et vous placez la serviette ou la sangle sur le tiers supérieur de votre pied, vous enroulez la sangle autour de vos poignets, et vous tractez à la force de votre biceps pour que votre dos s'assouplisse. Et que votre nombril se rapproche de votre cuisse, sans arrondir le dos du doigt. Voilà. Et ainsi de suite, je vais chercher de l'autre côté. Inspirez, expirez et étirez. Et encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez et expirez et étirez. Ok. Vous pouvez relâcher la sangle tout en gardant l'écart. Vous allez placer votre coude droit à l'intérieur de votre coude gauche. Posture qu'on a déjà travaillée ensemble. Une fois que c'est fait, vous éloignez vos deux coudes de votre buste. Hein, j'étais comme ça. Coude droit vient chercher à l'intérieur de mon coude gauche, dans le creux. J'éloigne les deux coudes. Ensuite, inspirez, expirez, tirez les deux coudes vers le bas et sentez l'étirement du trapèze. Hein, c'est le muscle ici, là, en forme un peu de losange. Gros muscle au niveau du dos, très sujet aux contractures. Tirez les coudes et étirez le trapèze. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, inspirez, dénouez les coudes. Expirez, cette fois-ci, coude gauche. Viens chercher le creux de votre coude droit. Et pareil, inspirez, expirez, tirez les coudes vers le bas. Sentez les épaules, les omoplates qui s'abaissent et sentez l'étirement du muscle. Et enfin, on dénoue. Cette fois-ci, placez les deux mains derrière vos fessiers. Vérifiez que vous êtes bien sur les deux os pointus de vos fessiers, les ischions. Si besoin, vous dégagez un petit peu la chair des fesses, ce qui fait que vous êtes plutôt vers l'avant. Hein. Placez le bout des doigts derrière les fessiers, inspirez, expirez, antéversion. Poussez votre bassin vers l'avant, vos fessiers s'enfoncent dans le sol. Tranquillement, inspirez, expirez. Vous voyez que ce type de mouvement, on ne peut pas être rapide. Hein. On est obligé vraiment de préparer, d'assouplir les muscles pour aller chercher les postures. Et encore une inspiration, expiration. Si vous avez l'habitude, voilà, vous pouvez descendre encore un peu plus bas. Par contre, peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui vont être ici, hein, parce que ça va beaucoup tirer dans le dos. Donc vous restez là et vous ouvrez surtout la cage thoracique. Très bien. Ensuite, on se redresse. Vous allez fléchir la jambe droite
et garder la jambe gauche ouverte. Je fléchis la jambe droite. Plante du pied, viens chercher l'intérieur des cuisses. Voilà. Inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond. Expirez, allez à nouveau chercher le tibia. Si vous sentez que le genou droit se décolle, pressez avec le paume de main, la paume de main, pardon, ce genou vers le sol. Gardez l'ouverture de cage thoracique. Sommet du crâne va chercher le plafond. Vos deux fessiers s'enfoncent dans le sol. Très bien. Ensuite, on se redresse. Ouvrez à nouveau la jambe droite. Fermez cette fois-ci la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Allez chercher le tibia de la jambe droite. Peut-être la cheville. Peut-être les orteils pour certains. Pareil, si je sens que le genou gauche se soulève, je presse avec la paume de la main. Et ensuite, relâchez. Pour la suite, on va venir aligner genou gauche au sol, poignée de la main gauche juste devant le genou et gros orteil du pied gauche. Tout ça sur la tranche du tapis. Poignée, genou, gros orteil aligné et ensuite ouvrez la cage thoracique comme si on était en planche côté, en gainage. Inspirez, expirez, venez attraper peut-être votre cheville. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, venez peut-être attraper le pantalon, d'accord? Ou alors vous restez comme ceci. Et une fois que vous avez attrapé quelque chose, vous ouvrez la cage thoracique et vous éloignez le talon du fessier. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, vous venez reposer le pied, les deux mains côte à côte, le bassin face à votre tapis et votre pied droit vient chercher du côté droit. Le pied droit est derrière, regardez ce que je fais. Je l'amène sur la droite pour venir étirer l'adducteur. Encore une inspiration, expiration. Et enfin, ramenez ce pied droit à l'avant du tapis. Je suis à nouveau en fente basse, mais cette fois-ci, j'ai le genou gauche au sol et le pied droit à l'avant du tapis, contrairement à tout à l'heure. Ensuite, retroussez les orteils du pied gauche, du pied vers l'arrière, et inspirez, décollez le genou gauche peut-être, pour vous retrouver en fente haute. Le bout des doigts vers le plafond. Si besoin, peut-être aujourd'hui, je vais garder le bout des doigts au sol, hein, si au niveau de l'équilibre, vous ne le sentez pas trop, ou peut-être que vous allez même rester en fente basse. À vous de voir, dans les deux cas, ça marche. Pareil, autant d'intensité dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Cette fois-ci, le bassin est face au mur, devant vous. Ensuite, inspirez. Si vous êtes en fente basse, décollez le genou, rejoignez-nous en fente haute. Et si vous êtes en fente haute, regardez, transfert du poids de corps de la jambe arrière. Hop, et je monte le genou en équilibre. Donc, j'ai fait ici. Et ensuite, j'ai monté le genou en équilibre. Voilà. Je vais faire ça à vous pour la suite. Très bien. Ensuite, vous allez venir attraper la cheville gauche. Si besoin, j'ai ma chaise. Si besoin, j'ai le mur, si je ne tiens pas l'équilibre. Vous engagez la sangle abdominale, vous fixez un point loin devant. Vous venez à nouveau étirer le quadriceps. Et cette fois-ci, vous allez effectuer une légère rétroversion. Souvenez-vous, antéversion, mon bassin part vers l'avant. Rétroversion, il part vers l'arrière. Et étirez ce quadriceps gauche. Très bien. Soit vous restez là pour aujourd'hui. Ceux qui veulent tester la posture du danseur, seigneur de la danse, vous allez tendre le bras droit vers l'avant, vers l'avenir. Transférez le poids de corps vers l'avant. Genou droit légèrement fléchi. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, opposition des forces. La paume de main presse dans le pied presse dans la paume de main. Et essayez d'éloigner au maximum le talon du fessier. Sentez l'ouverture de l'épaule, l'ouverture de cœur, de la cage thoracique, l'étirement du quadriceps. Et ensuite, tranquillement, vous revenez. Posez le pied à côté de l'autre. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière. Et restez là pour 4 inspirations,
Expiration, récupérez. Laissez votre corps assimiler le premier enchaînement qu'on vient d'effectuer. Inspirez profondément, expirez profondément. Retrouvez vos ancrages au niveau des plantes de pied. Très bien. Ensuite, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, cette fois-ci, c'est le pied gauche. Le pied gauche part vers l'arrière, le pied droit vers l'avant pour notre guerrier 2. Paume de main parallèle, autant d'énergie dans la jambe gauche que dans la jambe droite. Puis, inspirez tout en restant dans les fondations du guerrier 2. Expirez, venez renverser votre guerrier. Et restez là. Encore, pour une inspiration, expiration. Puis inspirez, revenez dans votre guerrier 2. Expirez, on va chercher Trikonasana. Tendez la jambe avant, déhanchez à l'arrière du tapis. Allez chercher vers l'avant avec le buste et inclinaison de la colonne vertébrale. Le regard soit vers le ciel, soit vers la terre, si problème de cervicale. Encore une inspiration, expiration dans Trikonasana. Puis inspirez, les deux paumes de main se retrouvent à côté du pied droit. Posez le genou gauche au sol, on est à nouveau dans notre fente basse. Les deux paumes de main, hop, juste à côté du pied pour retrouver la posture du lézard. Ça donne ceci si je me décale légèrement. Voilà. Ouverture des hanches. Et on reste là. On laisse le bassin s'ouvrir. On laisse les hanches s'ouvrir. Puis, cette fois-ci, avec notre main droite, nous allons aller chercher, hop, la cheville, comme tout à l'heure, pour venir étirer le quadriceps. Et ensuite, vous pouvez rajouter la torsion sur le côté. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, vous attrapez, vous savez, le pantalon, ou alors vous laissez la jambe comme ceci, hein, ça marche aussi. Très bien. Ensuite, vous reposez. À nouveau, les deux mains juste à côté du pied, on est en fente basse. Et souvenez-vous, le genou avant va venir chercher vers l'arrière. Hop, je tends la jambe vers l'arrière. Le genou vers l'arrière prend la place du genou avant. Okay. Fondation pour les postures de la sirène. Et ensuite, poids de corps vers l'avant. Et je relâche. Ensuite, on passe sur les fessiers, sur le côté. Et comme tout à l'heure, le tibia de la jambe avant vient chercher le bord supérieur de votre tapis. Les deux sont parallèles, d'accord? La cuisse de la jambe arrière est parallèle au mollet de la jambe avant. Inspirez, bout des doigts vers le haut. Et expirez, poids du corps vers l'avant pour étirer le fessier de la jambe vers l'avant. Et là, vous relâchez complètement. Vous laissez la pesanteur faire son travail pour étirer les muscles fessiers et travailler l'ouverture des hanches et l'articulation fémur-bassin. Encore une inspiration, expiration. Ensuite, inspirez. Sur l'expiration, à nouveau, on vient chercher l'écart. Donc peut-être que là, c'est vous qui ne me voyez plus. N'hésitez pas à changer de côté. Pour les jambes droite-gauche, je vous guiderai pour la suite. On va venir à nouveau s'installer sur les ischions, les deux os pointus des fessiers. Ouvrez les jambes au maximum. Hein. Ensuite, comme tout à l'heure, on va inspirer, expirer, venez chercher soit le tibia, soit la cheville,
soit les orteils. Et si vous voulez tout de suite utiliser la chambre ou la serviette, allez-y. Hein. Et je traque, j'enroule autour du poignet pour être sûre de bien utiliser mes biceps. Et ensuite, j'essaie de rapprocher le nombril de ma cuisse. Le regard, non pas vers votre cuisse, mais vers les orteils pour être sûre de garder l'ouverture de cœur. Hein. Ok, et ainsi de suite, je change de côté. Vous faites ça quelques secondes d'un côté, puis de l'autre. Voilà, on vient assouplir l'adducteur. Travailler l'ouverture des hanches. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on va relâcher ensemble. Cette fois-ci, vous allez inspirer, attraper le coude droit, expirer, accompagner le coude droit vers le plafond. On travaille l'ouverture de vos épaules, l'assouplissement de votre triceps. Pareil, vous verrez, dans la posture de la sirène, on a besoin d'avoir une bonne mobilité d'épaule. Donc c'est pour ça qu'on prépare tout ça pendant le flow. Très bien. Ensuite, inspirez, attrapez le coude gauche, expirez, venez étirer. Triceps, ouvrir l'épaule. Si jamais la posture est vraiment inconfortable pour certains, placez un coussin sous vos fessiers ou alors n'hésitez pas à refermer un petit peu l'écart pour soulager votre dos. Hein. Ok, ensuite, toujours dans la posture de l'écart, ceux qui connaissent la prière inversée. La prière inversée, c'est ça, mais derrière. Donc ça nécessite, vous savez, une bonne ouverture d'épaule puisqu'on va faire en sorte que les paumes de main se rejoignent dans le dos. Vous voyez, ça donne ceci. Si vous n'arrivez pas à faire ça dans votre dos, vous avez juste à attraper vos coudes opposés et voilà, c'est la même chose. Donc je vous laisse au choix, soit la prière inversée, soit vous attrapez les coudes opposés et ensuite vous allez inspirer et sur l'expiration, antéversion, poussez le bassin vers l'avant, les ischions, les os pointus du déficit dans le sol et restez là pour deux inspirations et expirations. Et encore, une inspiration, expiration. Très bien. Ensuite, on sort de la prière inversée. Les deux coudes se délient. Le bout des doigts est au sol derrière vos fessiers. Pressez avec le bout des doigts dans le sol pour incliner encore davantage le buste. Restez là encore pour une inspiration, expiration. Et ensuite, tranquillement, vous redressez le buste. Cette fois-ci, vous allez commencer par fléchir la jambe gauche. Plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, venez attraper peut-être cette fois-ci les orteils. Peut-être que le dos s'est détendu. Peut-être que les adducteurs se sont détendus. Et si le genou gauche se soulève, placez la paume de main gauche juste au-dessus et poussez le genou dans le sol. Très bien. Ensuite, on ouvre à nouveau la jambe gauche. Je referme cette fois-ci la jambe droite. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, venez chercher pareil. Soit les orteils, soit le tibia, soit peut-être la cuisse aussi si on est vraiment trop raide. Hein. Et gardez l'ouverture du cœur. Très bien. Ensuite, ouvrez à nouveau les jambes. Dernière option pour vraiment préparer notre dos et les adducteurs à la posture de la sirène. Soit vous reprenez un côté puis l'autre, soit vous préférez faire l'antéversion et la flexion du buste, ou alors, vous pouvez prendre l'option que je vous propose, inspirez, bout des doigts derrière la nuque, et expirez, regardez, je fais une inclinaison et je viens placer mon coude à l'intérieur du genou. Mais ce qui risque de se passer, c'est peut-être ça. Donc là, soit vous avez de la chance, vous avez quelqu'un à côté de vous, il faudrait qu'il arrive à remonter tout doucement votre coude, d'accord, pour garder l'ouverture de cage thoracique. Mais tout doux, parce que c'est dur pour le dos. Hein. Voilà. Peut-être que vous connaissez aussi cette option. Je viens tendre le bras au sol, j'attrape mon gros orteil, et avec l'autre main, je viens attraper également mon gros orteil. Voilà, vous choisissez différentes options. Et une fois que vous avez fait ça d'un côté, eh bien, vous venez faire de l'autre côté, soit la première, soit la deuxième,
soit la troisième que je viens de vous proposer, coude à l'intérieur du genou, ou pourquoi pas tendre le bras et venir attraper gros orteil. Voilà. Encore une inspiration, expiration. Explorez les postures. Testez-les. Chaque posture vient assouplir le dos, vient assouplir l'adducteur, dans tous les cas. Ensuite, inspirez, sortez de la posture. On ferme à nouveau la jambe droite, plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Cette fois-ci, on va aligner poignet droit, genou droit et gros orteil du pied droit. Ensuite, tendez le bras gauche vers le haut. Et soit vous restez là, soit vous venez peut-être fléchir la jambe gauche, peut-être attraper la cheville gauche, et enfin ouvrir la cage thoracique, éloigner le talon du fessier. On prépare la posture du danseur, vous voyez, c'est un peu la même chose qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'on est en équilibre et debout. Ensuite, on repose, les deux paumes de main sur le tapis, cette fois-ci le pied gauche, hop, vient chercher vers la gauche. On étire les adducteurs. Et enfin, le pied gauche passe à l'avant du tapis. On est à nouveau en fente basse. Soit vous restez là, ceux qui le souhaitent, vous crochetez le genou arrière. Inspirez, expirez, bout des doigts vers le plafond dans la fente haute. Autant d'intensité dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Puis, inspirez, venez transférer le poids de corps tranquillement, montez le genou comme tout à l'heure vers l'avant, puis attrapez la cheville et venez étirer le quadriceps. Légère rétroversion, puis bout des doigts vers le ciel, soit je reste là pour aujourd'hui, ceux qui veulent tester la posture, les doigts vers l'avenir, transférez le poids de corps vers l'avant. Et quand vous avez votre équilibre, opposition des forces. Le pied presse dans la paume de main, la paume de main presse dans le pied. D'accord? Tout doucement. Et vous regardez vers l'avenir. Ensuite, on revient. On pose les deux plantes de pied l'une à côté de l'autre. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, main en prière. Et récupérez. Récupérez dans cette posture active. Vos quadriceps sont contractés. Votre sangle abdominale est toujours engagée. Vous calmez le rythme cardiaque peut-être pour certains. Et on reste là encore pour quelques inspirations, expirations. Voilà, on laisse le corps s'approprier ce qu'on vient de faire. Je vous l'avais dit, le focus d'aujourd'hui, c'est la posture de la sirène. C'est la posture qu'on va voir maintenant ensemble. Mais tout ce qu'on a fait là était nécessaire pour pouvoir mettre en place cette posture. Encore une inspiration, expiration. Et ensuite, vous pourrez venir me retrouver face à l'écran, face à moi, pour que je vous explique la suite. Maintenant, on va voir ensemble la posture complète de la sirène. On va y aller par étapes. Le corps est prêt. On a étiré ce qu'il fallait, les adducteurs. On a travaillé l'ouverture des hanches. On a travaillé l'ouverture des épaules. Et on a travaillé aussi les inclinaisons et le dos, d'accord? Et aussi, on a étiré le quadriceps. Vous allez voir, c'est un étirement intense du quadriceps. On a besoin de la sangle, si vous l'avez, de la brique, peut-être pour certains. On va commencer tous du même côté. Donc, on va venir placer, je vais commencer là, hop, la jambe droite à l'avant du tapis, d'accord? Le genou droit à l'avant, la jambe gauche est tendue vers l'arrière. Donc ça donne ceci. Peut-être que certains d'entre vous vont réussir à faire ça, à ouvrir, d'accord? Mais voyez, moi je peux pas, parce que si je fais ça, j'ai une ouverture d'hanche qui est trop petite. Si je fais ça, vous avez vu derrière, c'est la catastrophe en fait. J'arrive pas à tourner mon fémur pour que mon bassin soit face à mon tapis. Donc ça, je peux pas. Je vais pas y arriver, je vais me blesser. Donc du coup, je suis obligée de refermer. Voilà. Et cette fois-ci, je peux basculer et avoir le bassin qui est face à mon tapis. Donc déjà, essayez de trouver ça chez vous. Ensuite, si vous sentez que vous avez le fessier qui est décollé du tapis, vous pouvez glisser un livre ou glisser la brique, hop, juste à l'endroit où c'est décollé, pour être stable, pour trouver votre équilibre. D'accord? Voilà.
Ensuite, deuxième étape, on va venir étirer le quadriceps de la cuisse qui est vers l'arrière, donc la cuisse gauche. On réutilise ce qu'on a fait tout à l'heure. Inspirez, expirez, venez soit attraper le pantalon, soit attraper la cheville, d'accord ? Ou pourquoi pas avec la serviette si quelqu'un peut vous aider, parce que c'est un peu acrobatique. Tout seul, on y arrive quand on s'entraîne un peu. Hop, attraper, voilà, pour venir étirer la cuisse, d'accord ? Voilà, et on reste là pour une inspiration, expiration tranquillement. Donc déjà là, on est dans les fondations de notre sirène. Le reste, ça va être des options supplémentaires. Donc, pourquoi pas essayer la suite ? La suite, regardez, est-ce que vous pouvez peut-être placer les orteils dans votre coude ? Je vais me décaler sur le côté, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai les orteils qui sont placés dans mon coude. Pas facile, ça tire sur la cuisse, hein, d'accord ? Et en plus, ça demande une bonne mobilité du dos parce que je fais une petite torsion. Donc, soit vous êtes là, vous avez passé l'étape supplémentaire, et enfin, pourquoi pas peut-être rajouter l'ouverture d'épaule et faire en sorte que les deux mains se rejoignent. Si vous y arrivez, vous calez votre tête là contre votre bras, la tête pousse le bras, d'accord ? Voilà, et vous restez là et vous travaillez cette posture. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, pareil, si quelqu'un peut vous aider, c'est attraper la sangle dans la main vers l'arrière, attraper la sangle dans la main vers l'avant, ouvrez l'épaule et petit à petit, moi je vous assure, j'ai commencé comme ça, vous venez travailler cette inclinaison du dos. Hein, voilà. Vous voyez, c'est assez intense comme posture. Je vous laisse essayer tranquillement. Et ensuite, on fera l'autre côté. Moi, je la fais dans l'autre sens pour que vous puissiez me voir aussi dans l'autre sens. Donc, ça donnait ça. Genou droit vers l'avant. Jambe gauche tendue. Ensuite, étirement du quadriceps pour commencer. Ensuite, pourquoi pas essayer de venir caler, hop, les orteils dans le coude. Moi, j'ai les fessiers qui se décollent. Il faut que je place ma brique. Sinon, ça va être dur pour mon équilibre. Et ensuite, j'essaye de faire en sorte que les deux mains se rejoignent, d'accord ? Sinon je suis là, sinon j'ai la sangle, voilà. Et ensuite, pour relâcher, on se retrouve accroupi, on va laisser les cuisses récupérer un petit peu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire à quel stade vous étiez, hein, voilà, c'est toujours intéressant, comme ça moi je peux vous faire un petit retour. Et puis surtout, si c'est une posture que vous avez envie de travailler, parce qu'elle est très bonne pour étirer les cuisses, elle est très bonne pour l'ouverture des hanches, pour la mobilité du dos. N'hésitez pas à travailler avec ça et la brique. Hein. Voilà. On équilibre bien évidemment de l'autre côté. Donc cette fois-ci, genou gauche vers l'avant, jambe droite tendue vers l'arrière. D'accord ? Chacun a son amplitude d'ouverture des hanches. Si vous arrivez à ouvrir un peu plus et à avoir le bassin face au tapis, vous le faites. D'accord ? Voilà. Si vous êtes comme moi, eh bien vous refermez. On place la brique ou pas, ça dépend si votre fessier est collé au sol, donc je suis obligée de mettre la brique. Et ensuite, je vais venir étirer mon quadriceps. J'attrape peut-être le pantalon aujourd'hui, peut-être que quelqu'un peut vous aider, des fois il suffit juste d'une aide, hein, pour que le corps s'approprie le mouvement, puis après il y arrive. Voilà, surtout si c'est la première fois que vous faites cette posture. Une fois qu'on l'a étiré, on va venir placer, peut-être, les orteils dans le coude. Et ensuite, peut-être qu'on va rajouter l'inclinaison et venir pousser avec la tête dans le bras. Ce n'est pas le bras qui pousse la tête, c'est la tête et les muscles du coude qui poussent dans le bras. D'accord ? Voilà. Pareil, je vous laisse tester. N'hésitez pas aussi, hop, à laisser un petit commentaire. Ah ! Oui, ça arrive Aurélie. Oui, moi aussi. C'est super, super Christelle. Ça arrive. Pas celle-ci, moi j'arrive à la faire des deux côtés, mais il y en a, par exemple, tout ce qui va être la posture, je ne sais pas si vous connaissez, mais du compas ou la posture, par exemple, de la jambe derrière la tête, moi il y a un côté, j'y arrive pas du tout. Donc ça vient. Il va falloir travailler un peu plus ce côté. Voilà. Donc je vous laisse encore quelques inspirations, expirations. Et puis quand vous aurez terminé, vous pourrez venir vous installer sur le dos.
c'est juste le temps. Vous pourrez bien vous installer sur le dos. Voilà. Ensuite, vous placerez les plantes de pied en direction du plafond. Et ensuite, vous viendrez tranquillement ouvrir les pieds de chaque côté. Vous gardez le dos bien ancré en sol. On vient juste une dernière fois ouvrir les hanches. Donc pareil, chacun suivant son écart. Placez le pied. Par contre, ils n'auront pas la mobilité du dos suffisante. Hein, ou ainsi de suite. Il y en a qui n'auront pas la mobilité, qui n'auront pas l'ouverture des hanches, mais qui auront la mobilité. Voilà. Ok. Ensuite, on va refermer. Voilà, tranquillement. Et vous allez vous allonger, prendre une posture confortable pour vous. Allongez les jambes. Soit les paumes de main sont vers le ciel, soit les paumes de main sont en direction de la terre. Et puis, on va fermer les yeux. Je vais vous mettre une petite musique pour le Savasana. Vous fermez les yeux et pour commencer, vous allez vous concentrer sur votre respiration. On laisse le corps, comme après chaque séance, récupérer et s'approprier ce qu'on vient de faire. S'approprier les fondations, peut-être pour certains, la posture complète de la sirène. Sachez que tout ce que vous venez de faire là va vous permettre de progresser semaine après semaine. Vous allez voir, petit à petit, tout ça va s'imbriquer jusqu'au jour où vous arriverez à faire la posture. Peut-être que certains ne pourront jamais la faire, mais il y a des postures que je ne peux pas faire parce que notre corps est fait de telle manière qu'il y a des choses, de toute façon, qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, on peut essayer de s'en rapprocher. Donc, vous continuez à respirer. Et tranquillement, on va détendre chacune de vos articulations. On va commencer par les chevilles. Vous inspirez et sur l'expiration, assurez-vous que les chevilles sont bien détendues. Même chose pour vos genoux. Inspirez, expirez, relâchez les genoux. Même chose pour votre bassin. Inspirez, expirez, relâchez votre bassin. Et puis, on va continuer de faire ça pour toute la colonne vertébrale, pour les omoplates dans le haut du dos. L'arrière de la nuque. Et puis, on va s'assurer aussi que votre mâchoire est détendue. Pour ça, vous allez laisser un tout petit espace entre vos deux lèvres. Les paupières sont closes, mais sans insister. Vous laissez peut-être un petit écart ou un petit interstice. Et ensuite, vous laissez votre mental aller là où il a envie d'aller. Sans trop vous attarder sur une pensée en particulier. Vous laissez le poids du corps s'enfoncer dans votre tapis. Et c'est une sensation qui est plutôt agréable. Vous êtes dans le relâchement.
Et petit à petit, vous allez commencer à inspirer et à expirer en mettant un peu plus de conscience dans ces inspirations et ces expirations. Sentez la cage thoracique qui s'élève, puis qui s'abaisse. Et en même temps que vous êtes concentré sur cette respiration, vous allez venir bouger vos poignets, puis vos chevilles, avec des petits serres, pour à nouveau prendre possession de notre corps. Et ensuite, vous allez fléchir les jambes et ramener vos genoux au-dessus de votre poitrine. Et avec vos bras, vous allez attraper vos genoux et serrer fort. Ensuite, vous allez relâcher. Et puis, vous allez basculer votre corps, le bassin, les genoux, les épaules, du même côté, dans la posture du fœtus. Et dans cette posture, on est bien, on se sent bien. Alors on en profite, encore un peu. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez soit fermer, enfin garder les yeux fermés, pardon, soit les ouvrir, et vous redresser dans la posture du début de pratique. Soit votre tailleur, soit accroupi, soit les jambes tendues, ce qui vous fait du bien. Et puis on va, avec la paume des mains, épouser la forme de nos genoux. Et si vous aviez placé une intention en début de pratique, eh bien vous pouvez y repenser maintenant. Et sur la prochaine inspiration, on va incliner la tête vers soi, vers le centre du corps. Et toute l'énergie qu'on a libérée pendant la pratique, avec les asanas, avec les postures, eh bien toute cette énergie, elle est là en train de circuler et on va la conserver pour toute notre journée, peut-être même toute notre semaine. Donc on reste là avec le regard orienté vers soi et on sent cette énergie qui circule. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez redresser le regard. Et expirez, inspirez, expirez normalement. Puis, on va ouvrir les yeux et se reconnecter aux autres, se reconnecter à sa journée, la fin de matinée, mercredi, milieu de semaine. Je vous remercie à tous pour cette pratique. J'espère que vous avez réussi à trouver vos alignements pour la posture de la sirène. Si vous avez besoin d'indications, quoi que ce soit, vous laissez des messages. Voilà, et j'essaie de vous donner un maximum d'informations. Ceux qui enchaînent, Benoît a dû commencer le circuit training. Voilà. Ceux qui ne font pas circuit training, eh bien, profitez encore, mettez-vous peut-être de la musique si vous avez encore 3-4 minutes. Refaites peut-être un shavasana, reprenez peut-être des postures dont vous avez envie, étirez-vous, faites bouger votre corps. Voilà, mais vraiment, si vous pouvez encore prendre quelques minutes pour vous, allez-y, hein, ça fait toujours du bien. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée. Désolée pour le retard, désolée Benoît, j'espère que tu as dû commencer, il est 12h05. Et puis, à très bientôt tout le monde. Lundi, circuit training, mercredi, yoga, comme d'habitude. Bonne journée, à bientôt. Alors, la musique de la fin, oui, effectivement. C'est Cuatro Vientos, donc Cuatro, 4 en espagnol, Vientos, donc V-I-E-N-T-O-S, voilà, sur Deezer, sur YouTube, vous la trouvez partout. Très bonne journée, au revoir.